Julie Gayet en couple avec François Hollande, elle se confie sur leur vie privée. Julie Gayet était l'invitée de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche 13 janvier. Un passage durant lequel l'actrice et réalisatrice a évoqué son couple avec François Hollande. Non Stop People vous en dit plus. Vivons heureux, vivons cachés est un proverbe que Julie Gayet prend à la lettre lorsqu'il s'agit de son couple avec François Hollande. Le 10 janvier dernier, l'actrice et réalisatrice était l'invitée de l'émission C'est à vous, sur France 5. Une rencontre durant laquelle la compagne de l'ex-président a poussé un léger coup de gueule. Je n'ai pas envie qu'on parle de moi, ni l'inverse d'ailleurs. Il a quelque chose d'un peu sexiste, c'est toujours la femme de, faut qu'on arrête, a d'abord déclaré Julie Gayet au sujet de la médiatisation de son couple. De son côté, Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite basculé sur un article de Paris Match, dans lequel Julie Gayet et François Hollande officialisaient leur idylle. C'était une manière de dire tout simplement. Il y a la tentation de dire parfois oui mais c'est ambigu, c'est flou, c'est pas vrai. Donc de dire simplement, on va prendre les devants. De la même manière de dire, on va faire cette photo, on est ensemble mais c'est notre histoire, elle ne regarde personne, que nous, a répondu l'actrice. Lui et moi c'est moi. Quelques jours après cette mise au point un peu musclée, c'est sur le plateau de 20h30 le dimanche que Julie Gayet a choisi de faire quelques révélations sur son couple avec l'ancien chef d'État. Elle a d'abord expliqué pourquoi elle souhaitait garder sa vie personnelle loin des feux des projecteurs. Je protégeais ma vie privée avant lui et j'ai toujours pensé que la vie privée. C'était derrière la porte, raconte Julie Gayet. Et en ce qui concerne ses points communs avec François Hollande, on partage les mêmes valeurs, beaucoup de choses, mais lui c'est lui et moi c'est moi. Répond la comédienne, à l'affiche de la pièce Rabbit Hole, qu'elle représentera dès le 17 janvier prochain sur les planches. Julie Gayet officialise ensuite une nouvelle fois son couple face à Laurent Delahousse avec un simple oui, on est ensemble. Avant d'évoquer la violation de sa vie privée, survenue lorsque François Hollande était encore locataire à l'Élysée. En rire, c'est plus facile, conclut-elle.